Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo de Destiny. Ça faisait vraiment longtemps. C'est vrai que bon, il y a eu la dernière mise à jour, mais il n'y a plus trop d'activité en ce moment sur Destiny. Je vous cache pas que j'attends vraiment avec impatience la mise à jour de cet automne, le nouveau patch de cet automne, enfin, le gros contenu plutôt de cet automne. Donc en attendant, on va quand même faire la petite review de Xur de cette semaine. Donc c'est parti, on commence avec les titans et cuisson d'Alpha Lupi. Un très bon torse, bien que les titans ont plutôt des casques exotiques relativement intéressants. Si jamais, je vous recommande vraiment l'écusson d'Alpha Lupi qui vous permet en priorité de réanimer vos coéquipiers plus rapidement de la même manière que celui du chasseur et d'augmenter la quantité de munitions pour les fusils auto et la récupération après un frag de zone cryo électrique. Un torse qui au passage est vraiment excellent pour le PVP et notamment pour Osiris. On passe à l'échine du jeune Amkara pour les chasseurs, un gantelet qui vous permet d'augmenter la durée des grenades laser, et on le sait, les grenades du chasseur sont relativement efficaces, donc ça vous permet également d'augmenter le rechargement, la vitesse de rechargement de vos fusils auto et la portée des grenades, donc un très bon gantelet pour les chasseurs. Et enfin pour l'arcaniste, le cœur de feu Praxis, donc qui vous permet d'augmenter l'agilité et le délai de récupération de vos capas lorsque vous êtes en radiance, vous permet également d'augmenter la capa de munitions de fusil éclaireur et de réduire les dégâts reçus au niveau des brûlures cryo-électriques. L'arme de cette semaine est donc le règne de Suros, un très bon fusil auto et un engramme classique de l'année 1. Côté rareté, rien de nouveau, échange de matériaux, rien de nouveau également. Donc pour ma part, ce sera les 3 deniers puisque je possède déjà tous ces équipements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quels items vont se porter vos choix cette semaine. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !